vous sous-entendez, Eric, qu'il y a la main d'Erdogan à travers l'attentat de... Accordez-moi que c'est bizarre. Non, non, mais je suis complètement d'accord. Mais alors justement, est-ce que par les voies diplomatiques, il y a des choses à faire vis-à-vis de la Turquie pour baisser le niveau d'intensité de la vague terroriste qu'on vit maintenant depuis quand même 3 semaines avant? Je ne suis pas diplomate, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je pense qu'il faut chercher des alliances au sein aussi du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite, je pense, est tout à fait prête à nous aider face à la Turquie. Ces gens-là sont en rivalité pour l'hégémonie sur le monde sunnite. Je pense que l'Arabie saoudite est tout à fait prête à nous donner un coup de main, même si elle a beaucoup à se faire pardonner, mais peu importe. Mais je pense qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut chercher des pays qui luttent contre cet islamisme et depuis longtemps et qui ont leur expertise à mettre à notre service. Effectivement, et Marc a raison, il faut commencer par soi-même. Mais je ne vais pas redire la politique de l'immigration, etc. J'en ai déjà beaucoup parlé.